sans transition. Bonsoir à tous, bienvenue, on est très contents de vous accueillir sur le plateau du nouveau podcast de Federate, In Arte Veritas. On va parler d'art, de patrimoine, de culture en général. Avec moi ce soir en plateau, si vous suivez nos réseaux, vous les connaissez déjà, c'est Thomas et Anaïs. Vous avez vu leurs petites présentations qui ont été diffusées cette semaine. Et on a aussi avec nous en régie, alors je ne sais pas si on pourra les voir, si la caméra fonctionnera, mais en tout cas, sachez qu'on a avec nous Diwan et Joe, dit Patrimoine. Patrimoine, en deux mots, bien sûr. Notre team régie, et on les remercie beaucoup pour tout le travail qu'ils font, parce que tout ce que vous voyez là, les habillages, les visuels, les machins, c'est eux qui gèrent. Donc, merci à eux. Au menu de l'émission de ce soir, on va parler d'archéo. On vous présentera un site qui a été découvert récemment à Concarneau, avec des petites capsules en plus. Thomas et Anaïs ont préparé, bien bossé l'émission, donc ils vous présenteront. On a essayé. J'ai toute confiance. C'est ça. On fera des petits focus sur certaines ou techniques ou sur certaines notions que peut-être vous ne connaissez pas. On fera un petit débat autour du patrimoine aussi. On enchaînera avec un sujet sur le marché de l'art, la vente aux enchères de fossiles de dinosaures en particulier. On parlera de tout ça. Un petit jeu quand même pour se détendre avant la fin, parce que ça fait toujours plaisir. Et on finira avec une petite sélection de la rédac. On vous proposera des petites lectures ou des expos à voir et on regardera tout ça. Et donc, si vous êtes prêts, eh ben, on commence tout de suite avec la rubrique entre terre et pierre d'archéologie. Alors, du coup, c'est pas le bon bandeau, si je peux me permettre. C'est pas le bon bandeau, dis-moi le bandeau. Il y a un bandeau entre terre et pierre avec archéo marqué dessus. Alors, tu vas me dire. Eh non, c'est pas celui-là non plus. Alors, tu vas me dire. Eh bien, vas-y, allons-y. Presque. Eh bien, vas-y, allons-y. Eh ben, j'ai que cela. Ah, eh ben c'est pas grave. Eh ben je vais aller le chercher et je vous le mets en cours de live. Voilà. Parce que celui-là, ce sera pour le petit focus de Thomas tout à l'heure, le à la loupe. C'est la première, faut se lancer. Hein. Mais voilà, soyez indulgents, vous qui nous regardez derrière vos écrans. C'est la première, il y aura des petits problèmes techniques, ça arrive. Nous, on est un petit peu stressés aussi, donc peut-être qu'on dira des conneries. C'est possible aussi. On en dit sans être stressés, donc. Déjà, effectivement, à la base. Donc j'espère que vous nous en voudrez pas. Donc attaquons avec ce petit site, non d'ailleurs, ce beau site ouais. Qui a été découvert à Concarneau en mars dernier. Enfin, il y avait eu des fouilles. En 2020, oui. Exactement. En 2020, mais le terrain a vraiment été fouillé entre mars et juillet cette année. C'est ça. Et ont été découverts des habitats qui datent du Campaniforme. Donc là, je sens que Anaïs va prendre le relais, va vous expliquer ça bien mieux que moi. Le Campaniforme, c'est une culture à la fin du Néolithique. Au début de l'âge du bronze, et là c'est hyper vague pour tout le monde. Voilà, est-ce que tu as des dates donc, peut-être à donner entre 2500 et 2000 avant notre ère. Voilà, c'est plus facile de se... Voilà. Il y a 4000 ans en gros. Voilà, c'est ça, nous, c'est des sites qui ont 4000 ans. Et puis il faut savoir, avant de s'intéresser un peu plus à Concarneau, c'est que l'INRAP avait déjà fait des belles découvertes dans le Finistère. On pense tout de suite aux fouilles qui ont été menées en 2020, qui avaient d'ailleurs eu un gros engouement médiatique sur ce site. Donc c'est à Plougon-Velin, près de Brest, avec un gros site funéraire du début de l'âge du bronze. Donc on est à quelques décennies près, on est contemporain là, du site de Concarneau. Et bon, on s'intéressera peut-être plus tard à ce site-là, mais il est connu pour les déboires judiciaires qu'il y avait eu. Donc on espère que le site de Concarneau ne connaîtra pas le même dessin. Pas le même sort, effectivement. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est une région assez fertile pour l'archéologie. Oui, tout à fait. Il y a quand même de belles découvertes. C'est vrai que là... Vas-y. Vas-y, non, je t'en prie. Pour la période qui est étudiée là, en tout cas à Concarneau, la majorité des sites, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 12 en France. C'est ça. Il y en a 10 qui sont en Bretagne ou sur la côte atlantique. Donc, Oui, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, oui. Oui, c'est vrai que là. Il y a un filon, quoi. La Bretagne est une terre de prestige hein, en archéologie.
Bon. En général. En général, oui, peut-être. Tu parles à des convaincus. Bah voilà, moi je précise pour ceux qui nous regarderaient, qui ne seraient pas bretons, on est un petit peu chauvin. Alors, effectivement, nous on diffuse depuis Rennes, donc la Bretagne, voilà. Ça nous parle. Quoi. C'est ça. Et du coup, encore une fois, un site exceptionnel qui vient s'ajouter au compteur du compteur de l'archéologie. Hein. On ne va pas tous les citer, mais dans le passé, on a eu dans les Côtes d'Armor à Brésilien, exactement, un important site de l'âge du fer avec la découverte de quatre statues, si je dis pas de bêtises, dont un barde qui est exposé maintenant au musée de Bretagne. Bon, voilà, trêve de... C'est la vidéo. Trêve de pérégrination archéologique, hein, on va plus s'intéresser au site de Concarneau. Donc comme disait Anaïs, hein, y a actuellement 12 sites qui sont connus hein, sur de l'habitat campaniforme, dont 10 sont situés en Bretagne, ce qui est quand même assez énorme. Et là, le site de Concarneau est exceptionnel dans le sens où, sur la fenêtre de fouille, il y a 4 habitats campaniformes qui ont été découverts, donc on les voit. On va les voir là, sur la vidéo, il y aura sur l'image. C'est ça. Et du coup, ce qui fait aussi la richesse de ce site, c'est que les 4 habitats sont très très bien conservés, contrairement aux 11 autres sites qui sont connus pour cette période, à savoir que le premier site d'habitat campaniforme a été découvert en 2007. Donc c'est vraiment quelque chose récent. Et au fur et à mesure des découvertes, c'est des choses nouvelles des nouvelles connaissances, qui viennent vraiment en apprendre plus sur cette culture qui est quand même très méconnue. La plupart des choses qu'on connaisse sur le campaniforme sont issues des contextes funéraires, où là, on a vraiment, pour grossir le trait, du bel objet. Ce qui n'est pas le cas du tout sur les sites d'habitat, quoi. Donc là, c'est ce qui fait aussi la richesse du site pour la connaissance de ces cultures. De ces cultures du passé, quoi. Je me permets juste une petite parenthèse, que je vois que le chat s'affiche. Donc on remercie tous ceux qui nous regardent. J'ai vu passer Tic Tac, il me semble avoir vu passer Thomas. J'ai pas lu un autre Thomas. Oui, non, c'est notre Thomas du Rosen Talk Show d'habitude. Il vient surveiller son... Il y a quelqu'un qui te demande trêve de quoi ? De pérégrination. De pérégrination. On vous laisse aller check. Voilà. Moi, je voudrais juste revenir sur le fait que tu dis que c'est un habitat. C'est vrai que pour nous, c'est comme ça qu'on nomme ça. Oui. Mais c'est vrai que vu du ciel, c'est un peu juste des tranchées qu'il y a dans le sol, quoi. Ouais, c'est voilà. C'est pour préciser qu'en fait, on détermine que c'est un habitat parce que ça a une forme qui prend... Enfin, ça prend la forme d'un habitat typique de cette période. Et, mais cette forme absidée, en fait, c'est des tranchées de fondation. C'est ça, et du coup, c'est vrai que oui, c'est bien de rebondir là-dessus, dans le sens où quand on pense tout de suite à habitat, on voit 4 murs, un toit, mais c'est vrai qu'en archéologie, on a beaucoup plus, on est beaucoup plus en présence de négatifs, quoi. Donc des fondations, des trous de poteaux, donc qui accueillaient des poteaux pour tenir la structure de la maison. Et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours parlant pour monsieur et madame tout le monde, mais faut nous croire, hein, c'est vraiment de l'habitat. Et du coup, sur cela, ils ont une forme en amande, c'est quelque chose de nouveau dans la connaissance des habitats campaniformes. Alors, nouveau dans le sens où, encore une fois, je vais me répéter, mais il y a très peu de sites qui sont connus, donc on imagine bien qu'à chaque nouvelle découverte sur des sites d'habitat, on va connaître d'autres typologies différentes morphologies, d'habitat. Chaque site représente un apport pour la recherche. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc voilà, non, c'est plutôt cool. Il y a aussi quelque chose d'inédit à Concarneau, c'est qu'ils ont découvert... donc déjà, il y a 4 bâtiments. Ils sont séparés, donc ils sont par paire. Et dans un des 2 bâtiments de chaque paire, on trouve un foyer. Et ça, c'était inédit. Ce qui permet de déterminer des fonctions des bâtiments. Et oui, ce qui n'est pas évident pour des vestiges de ces époques-là. En général, de déterminer à quoi servait tel bâtiment, c'est pas... Quand on a juste des trous de poteaux et des fossés... Et du coup, je rebondis, quand on dit foyer... Soyons précis. Je pense que ça peut parler à tout le monde, mais disons que quand on parle foyer, on parle de l'endroit où il y a du feu, quoi. Donc... Mais il reste pas la cheminée non plus. En fait, on détermine que c'est un foyer
parce que le sol il est très rubéfié. C'est vraiment quelque chose qui fait est... des taches rouges dans le sol. Ouais. Soit c'est cuit, soit c'est soit il y a du coup des couleurs différentes. Et c'est vraiment quelque chose qui est très restreint en fait dans l'espace de l'habitat. Donc après voilà, selon les époques, on a des emplacements privilégiés pour ce type de structure. Mais disons que là, c'est une des caractéristiques qui permet de déterminer que c'est un foyer et que du coup on est en présence d'un, enfin selon la taille du foyer bien sûr, en présence d'un site domestique et pas non, mais pas un site d'artisanat par exemple. Ou, voilà, parce que c'est différentes structures. Quoi. Alors je vais répondre au chat, j'en profite que Thomas fasse une petite pause. Et les Thomas parlent beaucoup, hein, visiblement. En régie, on se posait la question, c'est confirmé, c'est lié au prénom. C'est la passion. Voilà, mais c'est ça. C'est ça. On est dans des domaines de pas dedans, mais c'est vrai. Moi, quand je vais parler des ventes aux enchères tout à l'heure, vous n'allez plus répondre au chat en disant que non, je ne ferai pas de pompe pour fêter la première émission. C'est pas mon truc. On trouvera d'autres défis pour une prochaine fois. Et je voulais revenir aussi un peu sur le contexte en fait de découverte de ce site-là. On a dit donc les fouilles plus poussées ont été faites cette année entre mars et juillet, mais ça a été découvert en fait dans un contexte de ce qu'on appelle des fouilles préventives. Et là, je sais qu'Anaïs a bossé. Elle va vous expliquer hyper bien il existe des fouilles préventives et il existe aussi des fouilles programmées. Exactement. Donc si on schématise, les fouilles préventives, c'est pour répondre à un aménagement du territoire. Donc c'est pour éviter de détruire en fait les vestiges archéologiques qu'on pourrait trouver dans un sous-sol. Ouais. Enfin, en construisant. Oui, par exemple, on va construire un parking, donc on va envoyer une équipe pour vérifier qu'il n'y a rien en dessous, quoi. C'est ça, on voit une équipe d'archéologues pour faire un diagnostic, c'est-à-dire pour évaluer le potentiel archéologique d'un site, enfin de sous-sol. D'accord. Et de, si il y a potentiel, de mener des fouilles, en fait. C'est l'État qui préconise ça, donc c'est l'INRAP ou c'est des collectivités territoriales qui sont agréé par l'État. C'est ça. C'est un... En fait, c'est un... enfin, une fois qu'il y a une volonté de fouille sur la zone à construire, il y a un appel, comment dire, enfin, il y a un appel d'offres en fait qui est fait. Et là, du coup, parce que bon, faut savoir que les fouilles préventives, on a donc l'INRAP qui Voit. Qu'est-ce que ça veut dire pour INRAP, ceux qui ne connaissent pas. L'Institut national de recherche. Archéologique préventive. Voilà. Il n'y a pas de piège. Hein, c'est ça. Et... C'est pas pour vous piéger, c'est juste pour expliquer à ceux qui nous regardent. Bien sûr. Mais du coup, c'est ceux qu'on voit en arrière-plan, là, donc sur le site de Concarneau. Donc, ça, c'est une. Comment dire. C'est une entreprise d'État. Donc, c'est des fonctionnaires. Ah. Et depuis une bonne quinzaine d'années, l'archéologie préventive, elle s'est privatisée. Donc, il y a, entre guillemets, des concurrents à l'INRAP. Donc, on retrouve Archéodonome, Paléotime, EVA. Enfin, voilà, ça, c'est des boîtes d'archéologie préventive, mais sur le secteur privé. Après, le travail est le même, hein, en fait. Ils font. Enfin, qu'on soit archéologue à l'INRAP ou qu'on soit archéologue dans une boîte privée, la finalité, elle est la même. On fouille un site, on l'étudie et on publie, quoi. Après, voilà, c'est cette dualité public-privé, c'est plus de l'ordre, disons, politique et financier, quoi. Ça, après, malheureusement, tous les secteurs sont impactés, je pense. Hein, et bon. On ne va pas rentrer dans des vieilles guéguerres de clochers. En plus, on fait un podcast sur la culture, donc je pense que les problèmes de budget, on va en parler souvent. La culture n'est pas le premier domaine sponsorisé par l'État, mais... Et ouais, du coup, c'est vrai que... Bon, moi, maintenant, mais c'est vrai que l'archéologie préventive n'a pas toujours eu le vent en poupe, dans le sens où, il y avait des aménageurs peu scrupuleux qui cachaient les découvertes archéologiques pour éviter de faire retarder le chantier. Et bon, maintenant, vu que les découvertes archéologiques sont régies par le Code du patrimoine, il y a tout un tas de législations qui est prévue à cet effet, c'est beaucoup mieux médiatisé aussi. Donc. C'est ça, oui, c'est vrai que l'exemple de Concarneau, là, je vous ai mis des images
C'est passé sur France 3, mais ça a été relayé aussi dans la presse écrite. C'est des sites aussi qui... Ah oui, totalement. Qui suscitent vraiment l'engouement du public. Je sais pas, par contre, je sais pas sur ce site-là s'il y a eu des visites... Alors ça dépend. Si le public a accès vraiment à chaque fois. En fait, c'est assez compliqué parce que forcément, en tout cas dans l'archéologie préventive, c'est les prescriptions, donc l'autorisation de fouille, elle est plus ou moins courte ou plus ou moins longue. Hein, ça va dépendre du potentiel archéologique de la zone. Après, c'est vrai que si c'est un site une fouille de grande ampleur avec une fouille qui s'étend dans le temps, c'est vrai que là, ça sera plus propice à faire des visites, que ce soit pour des scolaires, des particuliers ou autre. Ça dépend. Après, c'est vrai que c'est pas toujours fait parce qu'il y a toujours la deadline en fait qui pèse. Surtout en préventif, du coup, j'imagine. C'est ça qui pèse sur les archéologues. D'où l'intérêt en fait, et ça, c'est vraiment un point fort de l'INRAP de créer des petites vidéos ou des petits. Diffuser l'info, que ce soit sur internet ou sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc c'est vraiment un gros plus. Puis après, il y a toujours tous les ans les journées nationales de l'archéologie, donc au mois de juin, où là on a l'occasion d'aller visiter tout un tas de sites, que ce soit du préventif ou du programmé. Quoi. Voilà. Du coup, pour revenir, tu as parlé de programmé. Donc la grosse différence, c'est que les programmés, en fait, c'est pas du tout dans le cadre de travaux d'aménagement du territoire et ça va être plutôt initié par un chercheur indépendant, entre guillemets. D'accord. C'est pas du tout lié à des travaux d'aménagement. Enfin, j'imagine en tout cas qu'il n'y ait pas, à moins qu'il y ait des exceptions, peut-être découvertes qui ont En fait, on a le cas à Rennes, par exemple, avec le parc des Tanneurs qui est situé derrière l'Hôtel Dieu. Exactement. En fait, l'Hôtel Dieu, maintenant, c'est des immeubles neufs. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que c'est fini de construire, je crois. Et c'est vrai qu'en fait, sous l'Hôtel Dieu, il y a la nécropole, le cimetière antique de la ville romaine de Rennes, donc de Condate. Et en fait, derrière, au niveau des parcs des Tanneurs, il y a les derniers, l'extrême fin de cette nécropole, avec du coup, une implantation d'une domus, donc une petite maison de... pour résumer, une maison de maître, on va dire, même si il y a les définitions de richesse sont pas les mêmes entre les deux périodes, mais pour grossir le trait, c'est des petites maisons de maître qui s'est implantée en fait sur la nécropole une fois qu'elle a été abandonnée, en tout cas que ce secteur-là a été abandonné. D'accord. Et du coup, en tout cas pour le parc des Tanneurs, donc ça a été dirigé par l'INRAP, mais sous une feuille programmée, donc qui s'est étalée sur... c'était un programme de 3 ans. On est quand même sur des délais plus importants et c'est moins pressés par le temps. Mais là, du coup, c'était vraiment une fouille programmée avec... Alors, pour le moment, c'est un peu en stand-by, mais il y a une volonté de créer un centre d'interprétation sur le site. Vraiment le temps de travailler les vestiges qu'on retrouve. Après, fouille programmée, c'est faut tout penser à programme de recherche. C'est ça. Donc que ce soit université ou laboratoire de recherche. Ouais, du coup, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes finalités, c'est pas les mêmes intervenants, c'est pas les mêmes budgets. C'est deux choses bien différentes, soit de l'archéologie. Ça reste de l'archéologie, t'avais dit. Oui, loin de là. Hein, c'est vrai, c'est vraiment deux choses. Disons que sur l'archéologie programmée, on accueille plus facilement des étudiants ou même des passionnés, des gens qui n'ont pas forcément une expérience de fouille et qui ont envie de découvrir. C'est des chantiers qui sont ouverts à condition d'être retenus par le responsable d'opération. Oui, bien sûr. C'est sur site du ministère de la Culture. Peut-être qu'on pourrait faire une petite chronique dans certaines émissions aussi pour signaler, pour ceux que ça intéresse, veulent aller travailler en chantier. La période est finie, mais au mois d'avril, ils vont réouvrir Le chantier. Carrément. On pourra peut-être consacrer aussi une partie d'émission à ça. Il y a tous les contacts. On va créer de l'intérêt. On se note ça. Il y a déjà énormément de candidatures, mais on ne sait jamais. On sait jamais. Réveiller des vocations. Les places sont chères. Il faut être bon, les gars, il faut être bon. Pour conclure un petit peu ce petit sujet archéo, parce que je vois que le temps file à toute vitesse, on est en bonne compagnie et qu'on a des sujets intéressants.
Parce qu'on voit dans la petite vidéo tous ces archéologues et tous les techniciens de fouilles qui prennent des notes, qui sauvegardent ce qui peut être sauvegardé, on prélève le mobilier et on fait aussi du relevé. Et là, on a une petite chronique à la loupe. Attention. Avec un bandeau, du coup, à la loupe. Là, patrimoine, s'il vous plaît. Et voilà. Papa. On est bien, Et en plus, il y a même des photos qui vont pouvoir illustrer le propos de ce cher Thomas qui va vous expliquer en détail ce que c'est un relevé archéologique. Comment on fait un relevé? Essayez, là, j'ai la pression. Non, mais du coup, c'est vrai que quand on pense archéologie, on pense tout de suite fouille, creuser, sortir des objets. Mais c'est pas le... Enfin, c'est une partie du travail, mais à mon sens, la plus grosse partie du travail, en dehors de l'étude, bien sûr, hein, de ces différents mobiliers, ces différentes structures, etc., c'est vraiment le relevé. Donc, on a différents types de relevés. Ça va partir du relevé photographique, au relevé dessin, du relevé topographique. Donc, voilà, ça va... En fait, c'est... Tout ça va permettre de créer ce qu'on appelle des minutes de terrain, donc qui correspondent à un état de la fouille. Donc là, par exemple, en arrière-plan, on a une petite image d'un relevé dessin du pan de mur qu'on avait juste avant, c'est ça. D'accord. Et du coup, voilà, donc c'est un travail minutieux. Hein, on tend des cordeaux entre les deux, entre la structure à relever. Pour pouvoir la géoréférencer en fait dans l'espace, parce qu'après tout est mis sur des systèmes d'information géographique, sur ordinateur. De cartographie en fait. C'est ça. Et ça en fait du coup, donc ça c'est une première partie du travail où on commence déjà à faire de l'interprétation en fait en relevant, voir bon bah par exemple là sur le mur, tel type de pierre, c'est tel matériau. Là, on a du quartz, là, on a du granit. Là, on a encore. Les petites couleurs différentes. C'est ça, donc il y a des codes couleurs que, du coup, la personne qui fait le relevé décide arbitrairement au final. Mais voilà, donc ça permet de conserver en fait l'information qu'on a aussi préalablement photographié. Et du coup, après, donc on la traite sur des logiciels de dessin vectoriel pour pouvoir les intégrer à un rapport d'opération, puis après une publication. Quoi. Après, l'autre partie du relevé, c'est tout ce qui est relevé topographique. Donc ça peut se faire avec deux types de matériaux, soit des GPS différentiels. Donc là, il n'y en a pas dans le... J'en ai pas mis dans les... Dans les images, ouais. Ou alors ça se fait avec des stations totales de topographie. Donc là, on en a une belle station robotisée et tout. Machine, c'est le même. C'est un peu station totale. C'est pas une station essence. C'est le même matériel qu'utilisent les géomètres, les topographes. Et ça, du coup, en faisant du relevé topo, ça va permettre en fait de créer un relevé 3D. Du site, un modèle numérique de terrain. Donc c'est un modèle 3D du site où on va mettre, on aura l'altitude, les différentes structures, pour vraiment étudier de manière fine la zone de fouille ou alors le site, voir vraiment des zones de concentration de mobilier, des zones de concentration de structures. D'avoir toute l'info. Et mettre tout ça sur un système d'information géographique. Être obligé de retourner sur le terrain en permanence. En plus, comme des fouilles préventives, on n'a plus accès au moment au site. C'est détruit. Donc. C'est ça, d'où l'intérêt en fait de faire un maximum de relevés pour pour que l'équipe de fouilles puisse l'étudier a posteriori, mais aussi pour que les générations futures puissent reprendre ces travaux, parce que forcément, ce qu'on va dire aujourd'hui, demain, ce sera peut-être plus avec l'avancée de la recherche, avec les nouvelles découvertes, etc. On n'aura peut-être pas le même point de vue. Et c'est vraiment très important d'avoir toutes ces minutes de terrain pour... On peut réinterpréter à la lumière de nouvelles découvertes. Et recomposer aussi le site à partir des premières minutes de terrain jusqu'aux dernières minutes de terrain, quoi, qui vont correspondre, du coup, comme je disais, à différents états de fouilles ou d'études du site. Quoi. Donc voilà. Et après, au niveau des relevés,
y a plein de possibilités. Hein. Là, j'avais un mur, donc en l'occurrence, c'était sur un site, sur un manoir médiéval du 14e, 15e. Il y a une photo que j'ai mise où c'est une sépulture médiévale du 6e siècle. Il y a plein de possibilités. Je ne sais pas si la photo, elle va passer. Alors, on a une question en attendant que la photo arrive. Est-ce que ces données-là sont accessibles à tous ? Alors, je vais répondre après, mais là, du coup, pour le relevé topo, donc il y a quelqu'un qui est derrière l'écran du tachyomètre et une personne avec une cible qui va se balader. Voilà. Donc, sinon, oui, au niveau de l'accessibilité de ces données, alors, c'est. Les rapports d'opération, c'est de la donnée publique. Au même titre que tout ce qu'on a dans les archives départementales, c'est propriété publique. Après, pour les consulter, alors, soit il faut aller dans les services régionaux de l'archéologie. D'accord. Donc là, par exemple, pour la Bretagne, c'est Rennes. Pour la Normandie, c'est Caen. Pour les Pays de la Loire, c'est Nantes. Après, je ne les connais pas tous, mais c'est les principaux qui. Si on tape service régional d'archéologie avec le nom de sa région, on doit. Après, au niveau de la Bretagne, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que le service régional de l'archéologie a créé une bibliothèque numérique où là, tous les rapports d'opération, donc que ça soit des rapports de prospection, des rapports de fouilles, des rapports de programmes de recherche, etc. etc. Ouais, bon, c'est numérisé. Tout en ça, fait, c'est numérisé depuis les années 50, même voire avant pour les plus vieux rapports, jusqu'à 2021. Quoi. Donc ça a vraiment un gros intérêt, ça évite. On va prendre l'exemple le plus récent avec le Covid. Le fait de rester chez soi, d'avoir une bibliothèque numérique, ça permet de bosser sans problème. Quoi. Ce qui n'est pas le cas de tous les services régionaux de l'archéologie. Donc c'est vrai qu'il faut. En Bretagne, c'est bien développé. Voilà, vous avez les infos dans le chat. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller au SRA à Rennes. La régie est hyper réactive. Merci la régie. Merci la régie. Donc voilà, après, on va pas épiloguer sur le relevé. Le temps tourne. En tout cas, voilà, on peut relever plein de choses, que ce soit des structures. Donc dans les structures, ça peut être du fossé avec une belle coupe stratigraphique, ça peut être du bâti, ça peut être des sépultures, ça peut être. Après, on peut relever du mobilier, donc de la céramique, du silex, des objets métalliques, etc. etc. On en a parlé en préparant l'émission. Quand on parle de mobilier en archéologie, c'est les objets. Quoi. C'est tout ce qui est petit objet. Meubles qui se déplacent. C'est pas une commode ou une armoire ou un fauteuil, c'est en archéologie, quand on parle de mobilier, c'est les objets en général, pour les différencier du bâti. Ce serait pas mal, sinon. Voilà. Bah en tout cas, on pourrait limite faire un podcast entier sur le relevé en archéologie, c'est pas le but. Parce que après, non, mes petits qu'on camarades, on a un débat à faire déjà. Là. Ils vont me taper dessus. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça crée de l'intérêt. Et surtout, pour ceux qui souhaiteraient en découvrir plus, n'hésitez pas à aller consulter la documentation archéologique qu'il y a sur Internet ou autre. Quoi. Voilà. Et puis au-delà de l'émission en live, si vous avez des questions aussi, si vous voulez creuser, avoir des infos, vous pouvez nous envoyer un mail, un message via nos pages réseau. Et on se fera un plaisir de vous donner les infos ou de vous orienter vers les gens qui savent. Qui sachent, non? Ça dépend de quel point de vue on se place. Voilà. Merci. Eh bien, merci à toi, Thomas. Merci, Anaïs, aussi, pour la présentation. Merci. Et on va passer à notre deuxième chronique, Make Art Notoire, c'est le débat. Est-ce qu'on a une petite transition pour se la péter un peu ou pas? Bon, c'est pas grave. Vas-y, on ne bouge pas pendant le jingle. Ouais, c'est classe, quand même. Ouais j'avoue. C'est classe. On voit les influences. Et il y a même un bandeau, aussi. Ah, il y a un bandeau. Ouais. Alors, attends, un bandeau rouge. Bon, le petit personnel est un peu long, mais c'est normal, c'est le début. Ouais, mais c'est la première, attends. Voilà. Donc cette semaine, on a, alors pour lancer un peu ce podcast, on parle de patrimoine et on se demandait, c'est souvent des débats qu'on peut avoir entre nous, est-ce que tout est patrimoine? C'est vrai que ce soit en archéologie, que ce soit même dans le marché de l'art, dans certaines ventes aux enchères, on se demande est-ce qu'on peut tout vendre aux enchères ou pas? Est-ce qu'au contraire, il faut que certains objets soient protégés, rentrent dans les collections publiques? Intègre les musées. Donc on va parler un peu de ça, un peu de ça ce soir. À chaud déjà, vous, votre point de vue. Est-ce que
tout est patrimoine? Où commence le patrimoine? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne méritent pas, ni la protection? Non, 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 j'ai déjà bien occupé le devant de la scène, là. C'est très vaste. Je prends un exemple, moi je travaille en master archéo, je travaille beaucoup sur la période moderne, donc ce qu'on appelle période moderne en histoire, c'est donc du 16e au 18e siècle, qui est une période qui a été très très peu fouillée, à laquelle l'archéologie s'est très très peu... intéressé pendant très longtemps, parce qu'on a considéré que c'était pas assez ancien, que c'était pas on avait déjà qu'on avait déjà énormément d'informations, effectivement, comme tu dis, oui, avec les que ce soit la peinture, la sculpture, les sources écrites aussi, hein, on a beaucoup de documents administratifs de ces époques-là. Donc on a longtemps considéré en archéologie que ça n'avait pas d'intérêt scientifique, et en fait on se rend compte aujourd'hui que si. Donc les mentalités évoluent là-dessus. Là aujourd'hui, on a eu un exemple il y a peu de temps sur une ancienne usine du début du XXe siècle. Du coup, là, la question, c'est est-ce que l'industrie est patrimoine? Par exemple. C'est ça. Est-ce que des sujets comme ça, est-ce que c'est patrimoine? Est-ce qu'il faut... on parlait du relevé archéologique. Est-ce qu'on peut nous enlever la photo, si on verra Manu bientôt. J'ai l'impression que Manu me poignarde dans le dos. Oui, mais d'ailleurs, oui, t'as raison. Manu, il fouille en Israël en ce moment, mais il nous rejoindra. C'était le personne qui tenait à la cible derrière. Pas du tout. Ok, ça tombe bien, je vais pas le faire. Merci, patrimoine. mais oui, c'est la question, est-ce que du coup, est-ce que c'est des anciennes usines du début du XXe siècle, c'est du patrimoine ou pas? Est-ce qu'il faut, on parlait de relevé tout à l'heure, est-ce qu'il faut préserver le moindre tesson de céramique, le moindre... Bah... Ah, je sentais, tu vois, j'avais son petit sourire comme ça. On le sait qu'on le lance sur des... Non, mais pour moi, c'est une question qui est assez... Enfin, qui est très, 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 très compliquée, dans le sens où, déjà, la notion de patrimoine, c'est un paradigme. C'est un peu une notion fourre-tout qu'on a depuis le... au moins le 19e siècle, avec tous les courants d'une part les courants régionalistes et les courants nationalistes sur le mythe fondateur de la région en question ou de la nation. Si on reste un peu sur la Bretagne, les travaux d'Arthur de la Borderie, donc le grand historien breton, je remets pas en cause, pas tout le temps son travail, hein, mais... C'est pas ça la question. C'est vrai que... c'est vrai qu'avec des personnes comme ça, on a eu vraiment une définition du patrimoine, mais le patrimoine... Encore une fois, c'est des périodes anciennes. Donc ça va être quoi? Enfin, en tout cas, jusqu'à très récemment, ça va être les châteaux, les églises, les vieux monuments, oui, mais etc. Pense au premier abord. C'est ça, tout à fait. D'où comme esthétique, en fait. Ouais, l'esthétique. Il y a une notion d'esthétique aussi. Et l'ancien aussi. C'est pour ça que, je dis voilà, le patrimoine c'est un peu un fourre-tout, mais mine de rien, il y a quand même, même nous, les premiers, on dit tiens, patrimoine, tiens, je vais aller aux journées du patrimoine, je vais aller visiter un château. Or qu'il y a plein d'autres choses. Et c'est vrai que, depuis... Mais même si je me permets de rebondir. Vas-y. Même dans les ventes aux enchères, que moi, c'est un domaine que je connais mieux. Vous êtes plus spécialisé archéo, vous. Mais dans le marché de l'art, les grosses ventes, tout ce qui est médiatisé, c'est quand on va vendre un fauteuil qui appartenait au château de Versailles. C'est le même principe. On va pas médiatiser en vente aux enchères. Le petit réveil de voyage en laiton à 20 balles, c'est pas... Non, bien sûr. Après, pour autant, ça fait partie, c'est des objets qui racontent quand même quelque chose. Ouais, après, je pense que, en tout cas pour moi, le patrimoine commence où il y a une possibilité de médiation et de muséologie. De transmission, quoi. C'est ça. Dans le sens où, là, récemment, on parle beaucoup de toutes les friches industrielles. Mais c'est des questions qui existent quand même depuis quelques décennies. Enfin, l'éveil de conscience sur le patrimoine industriel, c'est quand on a détruit les halles Baltard à Paris. Oui. Où là, on s'est dit, tiens, peut-être qu'on aurait dû... on a les mêmes... On a les mêmes, mais en version plus petite à Rennes, je tiens à préciser quand même. Un peu de chauvinisme, un peu plus. Ça te fait toujours plaisir. Mais je ne suis pas breton, je tiens à le préciser quand même. Voilà. L'adoption. C'est vrai que c'est intéressant de lier cette notion-là de ce
ce qui doit être, enfin ce qui doit entre guillemets être préservé, c'est ce qui peut être transmis. C'est pas inintéressant. Bah après, ça peut être un critère en tout cas bien sûr. De sélection. Après, par exemple, bon, si on reste sur tout ce qui est friche industrielle, bah ça va un petit peu en opposition avec toutes les pensées écologiques et tous les sujets développement durable et tout qu'on a actuellement. Enfin. Est-ce qu'il faut garder toutes les usines, toutes les mines de charbon, toutes les mines de fer, c'est compliqué dans le sens où derrière il y a quand même un énorme investissement où on va devoir remettre en fait aux normes et rendre plus vert ces choses-là. Donc c'est un peu compliqué quoi. Ouais. Donc c'est vrai que accessible au public. Accessible au public. Donc c'est parfois c'est vrai que c'est plus simple de détruire pour reconstruire par-dessus parce qu'au moins on se pose pas de questions, ça coûte moins cher et il y a peut-être de la plus-value hein. Mais peut-être avec des gros guillemets hein. Ça je sais pas hein. Ça peut en faire bondir certains quoi. C'est vrai que Totalement. On ne peut pas tout garder non plus, comme tu disais. Après, il y a des, des problèmes d'investissement et puis de stockage aussi en termes de. Alors, quand c'est du bâti, c'est différent, mais quand c'est des objets, du mobilier, les réserves des musées, les réserves. C'est ça. Et c'est assez compliqué parce que. C'est la conservation du coup. En plus. Conserver ces objets. C'est vrai. C'est énormément d'argent. Ouais. Et si c'est pour qu'ils restent dans des caisses poussiéreuses, parce qu'il y a énormément de choses. Enfin, les musées ont de très belles collections, mais il y a 80% des collections des musées qu'on ne voit jamais, en fait, qui sont dans les. Ouais, mais ça après, bon, c'est pas le sujet, mais ça. Ça en fait partie. Parce que du coup, si on les montre, c'est ce que tu disais, si on les montre pas, est-ce que ça vaut le coup de les garder ? Après, en fait, parce que le patrimoine, ça rime, enfin, en tout cas, dans la partie musée, ça rime aussi avec le bel objet. Enfin, c'est vrai que c'est plus intéressant d'aller montrer, une super belle épée du XIIe siècle, un super beau sarcophage paléo-chrétien ou de super belles céramiques ou des super beaux. C'est vrai ça va pas être intéressant de montrer la petite houle du paysan breton du XIIIe siècle. Ça répond du coup un peu à la question qu'on nous pose dans le chat. Est-ce qu'il y a un choix qui est fait en matière de patrimoine ? Il se fait un peu naturellement sur cette notion d'esthétique. Oui, totalement. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué en fait pour tout le patrimoine du passé récent, que ce soit le patrimoine des derniers conflits, les conflits du XXe siècle, avec en tout cas pour la Première Guerre mondiale, toute la ligne Maginot, Guerre mondiale. On a même vu le jour des fouilles de sites de crash. Oui. D'avions ou des tanks aussi qui étaient restés sur les champs de bataille et qui s'enfoncent progressivement dans le sol. Donc là, il y a des fouilles là-dessus aujourd'hui. Ouais, ça c'est très compliqué parce que c'est pareil. Pour la Seconde Guerre mondiale, tout le mur de l'Atlantique, c'est du patrimoine dans le sens où ça raconte une histoire, entre guillemets. Mais... Ça témoigne en tout cas. Témoigne. Après, est-ce que. Si on se dit, mais on ne peut pas tout garder. Donc, par exemple, pour grossir le trait, c'est est-ce que on a un blocus, donc on les a tous ? Non, parce que derrière, en fait, il y a différents types. Mais au même titre que le mobilier, on va se dire, on a déjà 60 000 tessons de céramique dans les réserves. Ouais. Est-ce qu'on va les ramasser, celles-là ? Parce que ça permet. C'est peut-être pas les mêmes, c'est pas les mêmes modes de façonnage ou autre. Donc c'est vraiment compliqué parce que on peut pas se. Le choix, du coup, pour répondre à la question qu'on avait, n'est pas évident en fait. Comment sélectionner Je m'avance peut-être sur un sujet qu'on traitera plus tard, mais les cimetières de bateaux. Oui, ce sera dans une prochaine émission quand la réunion nous aura envoyé les. On touche du bois. JB, si tu le regardes. Mais ça peut être. Enfin, c'est la question. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on détruit ? Est-ce que ça fait partie du patrimoine ? Oui, tout à fait. Oui, les cimetières de bateaux, les choses comme ça. Ouais. Vaste sujet, en tout cas. Vaste sujet. Mais c'est vrai que, on a tous une sensibilité différente sur le patrimoine. Mais c'est ce que j'allais dire, en plus. Mais que ce soit le patrimoine bâti, le patrimoine matériel ou le patrimoine immatériel. Et c'est vrai que là... Chacun a ses domaines un peu de prédilection et a envie de défendre son... Ouais, mais après, d'un autre côté, au final, tout est patrimoine, quoi. C'est vrai que, maintenant, on conserve... tout un tas de
Enfin, je l'ai vu là, il y a 2 ans, à l'exposition Rennes, les vies d'une ville. C'est vrai qu'ils ont montré toute la... Enfin, la construction du premier métro et tout, mais dans une dimension patrimoniale, en fait. Mm. C'est vrai qu'on se dit, mon ticket de métro, maintenant, ça n'existe plus, c'est des cartes magnétiques. Oui, c'est vrai, maintenant, Mon ticket de métro, c'est un ticket, mais c'est vrai que dans notre conscience, déjà, on oblitère un petit peu tous ces objets du quotidien, mais au même titre que nos grands-parents, jamais ils auraient pensé que la balance Thérion finisse dans un musée ou dans une vente aux enchères ou autre. Et du coup, ça évolue aussi en fonction des générations, des sociétés qui se succèdent. C'est vraiment un objet, le patrimoine, c'est vraiment un objet en mouvement et un objet à part entière, quoi. On met tout ce qu'on veut, et bon. C'est pas toujours... Donc c'est pas facile d'être tranché, quoi. Non. Au final. Pour inciter... Pour résumer ce petit débat... L'art de faire des pizzas qui fait partie du patrimoine matériel, par exemple. Oui, parce que maintenant, il y a même du patrimoine immatériel, mais effectivement, donc ça... Non, mais c'est vrai, c'est vraiment, vraiment compliqué, quoi. Enfin là, c'est le chant du coq, c'est le patrimoine immatériel de la ruralité. C'est ça. Bon, moi je suis... Personnellement, je suis rural. Mais jamais j'aurais pensé que le cri du coq, ça rentrerait dans la définition du patrimoine. Bah, ça paraît un peu. Alors que c'est le quotidien, c'est pas transmissible, du coup. Là, on parlait de patrimoine. Enfin, après, c'est immatériel. Tant qu'il y a des coqs, c'est transmissible, à la limite. Mais ça sort de la définition du patrimoine qu'on avait, qui est de la transmission. Aussi, ça pose. Ouais. Mais pourquoi pas? On a choisi un sujet bien vaste pour la première. On ciblera plus pour les prochaines. Voilà, du coup, on n'a pas de réponse. Merci d'être venu et à la prochaine. À la semaine prochaine. c'est vrai que ça... Mais c'est l'intérêt aussi de ce genre de débat, c'est que ça soulève aussi plein de... Et puis je pense, comme tu disais, Thomas, il y a aussi ce côté où chacun a un peu sa sensibilité et son... Oui, parce que du coup, est-ce que... Enfin, c'est parce que, moi, c'est pas mon point de vue, mais c'est vrai que certains l'ont, ce qu'on vend aux enchères, est-ce que, du coup, c'est du patrimoine? Si oui, pourquoi on le vend? Et du coup, ça permet de faire la petite transition. Ça va faire la transition, je te remercie. C'est le sujet d'un débat d'une prochaine fois. Avec le sujet 2, mais après, ça pourrait être un autre sujet de débat, effectivement. Est-ce que le patrimoine doit forcément être dans les collections publiques? Est-ce que... Bref, l'idée lancée. On attendra Manu pour ce sujet-là, parce qu'on s'engueule souvent à l'apéro là-dessus. Donc ce sera bien animé, ce débat-là. Il n'y a pas de bouteille, vous l'avez remarqué. Avec des micros. Jamais en direct. Et des savons. Jamais. Des sachants. Je ne sais pas. Enfin, ceux qui savent, quoi. du coup, effectivement, très bonne entame, très bonne conclusion et très bonne transition avec le sujet 2. On va parler un petit peu de marché de l'art. Petit jingle marché de l'art ou pas? Allez. Oula, pardon. Petit bug. C'est pas grave. C'est beau. Avec la chronique... On m'entend quand même? Oui. Avec la chronique Histoire de l'art. Où je voulais vous parler aujourd'hui de... Alors, on a une petite vidéo à mettre, Pat, si vous le souhaitez. C'est pas le bon bandeau, par contre. Je vous donnerai le top bandeau tout à l'heure. Ah, attendez. Je peux pas t'y faire en même temps. On enlève le bandeau. En attendant, je réponds à la petite question. La législation des trésors maritimes intéresse des gens. Du coup, on parlera du site... Que notre ami Jean-Baptiste a fouillé dans la Rance, un cimetière de bateaux. On en profitera pour aborder ces questions-là dans une prochaine émission. Donc, si vous continuez à nous suivre, on en parlera. Donc, je voulais vous parler de, dans cette chronique histoire au pluriel de l'art, de ce Triceratops, de son nom latin Triceratops horridus, c'est fort charmant, qui a été vendu au mois d'octobre à l'Hôtel Drouot, donc vendu aux enchères. Et qui a quand même été adjugé 5,5 millions d'euros. 6,6, frais inclus. Frais inclus, oui, alors on y reviendra. Il y aura la petite chronique à la loupe tout à l'heure où on vous expliquera ce que ça fait cher pour un caillou. Pour plusieurs cailloux, quand même. Oui, c'est vrai, C'est un des plus complets. Exactement. De cailloux. Oui, si tu veux. Cette vente a fait le buzz, parce qu'effectivement, c'est déjà le plus grand qu'on ait retrouvé. C'est le spécimen le plus grand. Presque. Quasiment 8 mètres de long. Le crâne, rien que le crâne, pèse 700 kg et fait 2,62 m sur 2 mètres.
Je sais pas si vous vous rendez compte quand même du truc. C'est l'attaque de mon appart. C'est voilà. C'est quand même assez incroyable. C'est un spécimen qui a été découvert aux États-Unis en 2014 dans le Dakota du Sud, qui effectivement est particulièrement bien conservé. Je crois qu'il a été retrouvé dans des plaines inondables, donc forcément. Qui permettent du coup de bien. Ça permet la conservation des eaux et il est complet à 60%. Ce qui est pas mal pour un dinosaure. Ce qui est très rare pour. On est quand même sur un spécimen qui a 66 millions d'années. Donc on part quand même dans des trucs assez dingues. Il a quand même, avant d'être vendu, parce que c'est vrai que du coup ça a relancé ce débat, il y avait eu des précédents, il y a un T-Rex qui avait été vendu. Il y a deux ans, non ? En 2020, oui. 30 millions à peu près. En 2020, je l'ai noté normalement. Où est ma note ? 31,8, tout à fait. On a la même. Ou alors on a bien bossé et nos sources sont vérifiées. Exactement, ouais, je pense que c'est ça. Plutôt. Il y a un T-Rex, il y avait eu deux Allosaurus aussi qui avaient été vendus en 2018 et 2020. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça relance un peu le débat qu'on avait tout à l'heure. C'est est-ce que ça doit être vendu aux enchères ? Est-ce que ça n'aurait pas plutôt sa place dans des musées d'histoire naturelle ? Déjà, il faut un gros porte-monnaie, un gros salon aussi. C'est souvent ce qui est répondu, parce qu'effectivement, vu les prix que ça, que ça atteint, les institutions publiques peuvent pas suivre. Oui, c'est en fait. Ça. Parce que 5 millions, ils les mettent ailleurs, forcément. Alors, quand le T-Rex avait été vendu en 2020, il y avait des paléontologues qui avaient demandé à ce que les enchères soient limitées aux acheteurs qui souhaitaient collaborer avec les autorités scientifiques. Ça a été fait ? Non, ça n'a pas été fait. Mais c'est très compliqué à faire dans une vente aux enchères de refuser certains. Oui, Pat, vous aviez une question, une remarque ? Non, j'aime bien. Non, ça n'a pas été fait. Mais... ils ont posé la question. Mais très bonne idée. Et Christy a dit non, c'est compliqué d'exclure des acheteurs d'une vente. Le principe de la vente aux enchères, c'est qu'elle est publique. Oui. Et d'ailleurs, on vendra nous aussi ce type de squelettes. Bien sûr. On a une fouille en cours à gonner. Une fouille à gonner. Je pense que notre mécène nous regarde d'ailleurs. Et donc, très bonne question dans le chat. Est-ce que les collectionneurs qui achètent les mettent en musée ? Ça arrive, effectivement. Ouais. Certains collectionneurs achètent et font un don, en fait, ou laissent en expo dans des musées. Et en fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'à leur décès, au décès de ces collectionneurs, l'objet exposé tombe dans le domaine public. Bon, cela dit, c'est pas une règle absolue. C'est pas forcément des dinosaures. Mais, non, mais c'est... Mais ça arrive régulièrement, par contre. Ouais, bah... Effectivement. Encore une fois, on a un beau cas à Rennes avec les collections Pinault. C'est vrai. Bon, c'est de l'art contemporain, on aime ou on n'aime pas, mais on a quand même l'occasion de voir des œuvres. Mais là, c'est vrai que pour le... Pour ces ventes-là, on a toujours le gros problème des finances des institutions publiques. On avait prévenu qu'on parlerait de budget. Et malheureusement... non, mais c'est important, ça pose la question, oui. Faut pas se voiler la face. C'est vrai que les musées, la culture en général, alors je sais pas dans les autres pays, mais en France, en tout cas, ça souffre terriblement des crises budgétaires. Et déjà, des fois, il n'y a pas forcément l'argent nécessaire pour restaurer certaines collections anciennes. Et puis oui, c'est compliqué d'empêcher les ventes. Je vois dans le chat, on nous demande qui est le vendeur des fossiles. Alors là, en fait, le dinosaure en question avait été trouvé... Qu'est-ce qui se passe ? Xavier ne doit pas tomber dans le domaine public. Big up à Xavier, si tu nous entends. Les fossiles ont été trouvés en fait sur un terrain privé. Donc ça appartient à la personne... qui est propriétaire du terrain, qui est aussi propriétaire du sous-sol. Alors là, c'est aux États-Unis. C'est ça, c'est pas les mêmes législations. Ça, on aurait découvert ça en France. Ça aurait été probablement différent. L'objet donc dinosaure en l'occurrence, il aurait été, il serait tombé donc dans le domaine public. Là, du coup, ouais, c'est vrai que c'était aux États-Unis. En fait, c'est une société italienne qui est spécialisée dans la restauration et dans la conservation des fossiles qui avait acquis du coup les vestiges qui avaient été retrouvés. Ce qui a permis quand même que le squelette soit étudié par les départements de paléontologie de l'université de Bologne et de Chieti, je crois, en Italie. Donc il y a quand même eu des recherches de fait. C'est pas vendu comme ça sans aucune analyse, sans aucun... c'est quand même le côté positif du truc. Mais en France,
la loi autorise, hein, dans la mesure où l'objet a été trouvé sur un terrain privé, la vente est tout à fait légale et permise. En France ? C'est la loi française. C'est si l'objet a été trouvé sur un terrain privé. Ça a changé un petit peu. C'est la justification. Alors, je cite le commissaire-priseur qui a vendu... Oui, mais ça a changé un petit peu dans la législation française sur les découvertes fortuites. Sur le domaine privé. Exact. Mais bon, je pense... Ça méritera une émission complète, la législation. Ça aussi, fait beaucoup de pistes, hein, là, cette première. Bah, c'est bien, comme si tu vois, on va être obligé de faire plein d'émissions après. C'est ça. Mais bon, bah, c'est quand même toujours des ventes qui mettent aussi un peu la lumière sur le monde des enchères, sur le marché de l'art en général. On en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'il faut des grosses enchères comme ça pour qu'on parle du marché de l'art et de l'art et de la culture. Bon. Ça a le mérite au moins de donner un petit... Ouais, après, c'est un petit peu, coup de projecteur. C'est un peu frustrant parce que à chaque fois, là on a le cas pour le dinosaure, je suis en train de chercher le mot, pardon, le dinosaure. On a eu le cas aussi avec une des feuilles de la couronne de laurier de Napoléon, potentiellement le tricorne, enfin pas le tricorne, mais le. Bah oui, c'est vrai que. Comment ça s'appelle son chapeau là Bicorne, du coup. Le bicorne, évidemment. Enfin, voilà. Mais en fait, à chaque fois c'est des objets un peu... Enfin, qui sortent de l'ordinaire, des objets un peu ouf. Mais qui cristallisent forcément c'est les ça, des tout vagues, le monde. Enfin, tout le monde. Il y a vraiment deux côtés. Ceux qui sont pour, de toute façon... oui, c'est un objet, ça se vend. Et puis, oh là là, non, c'est honteux. Mais au final, ce qui est frustrant, c'est que les mêmes personnes qui s'indignent que tel ou tel objet... soit vendus, vont peut-être pas forcément s'indigner quand c'est des objets beaucoup moins médiatiques qui sont vendus, alors que, on a qu'à aller voir chez les antiquaires, y en a des dizaines dizaines, quoi. Et bon, malheureusement, c'est un petit peu... On demande dans le chat ce que toi t'en penses, quoi. T'es plutôt pour la vente de ce truc-là ou pas ? Moi, les dinosaures, c'est des cailloux, donc... non. Non, mais en général, c'est un objet, totalement. Trêve de plaisanterie, c'est assez compliqué. Enfin, si je réfléchis d'un point de vue culturel, je me dis c'est dommage de perdre... que ça atterrisse soit dans le salon d'un privé, soit dans une banque franque, parce que faut pas se leurrer. Bon, le dinosaure, je pense pas, mais quand c'est des œuvres d'art, on les retrouve souvent dans des banques franques. Bon, après, étant donné que, alors bon, si je parle plus des tableaux, étant donné qu'à la base, c'est des objets qui ont été faits pour être vendus, en fait, on est toujours dans cette continuité-là. Donc c'est assez difficile, quoi. Ah, Anaïs, tu as un fan qui demande de ton avis. Moi je suis plutôt. Impose-toi, c'est ça qu'il parle beaucoup. Je suis plutôt d'accord avec Thomas, je trouve ça dommage que ça tombe dans la main de privé, surtout en. Ah, moi j'ai pas dit que j'étais contre. Hein. J'ai dit que peut-être que. La partie qui dit que. Tout peut-être... est dans la nuance du propos. Il faut. La partie qui dit que peut-être c'est pas totalement cool, je suis plutôt d'accord avec ça, dans le sens où c'est quand même un bien public, ça devrait appartenir. Pas forcément un privé et rester enfermé dans un salon, comme tu dis. Et d'un autre côté, on n'a pas les moyens d'entretenir, de conserver. C'est plutôt ce côté-là que je retiens, c'est que ça permet aussi de continuer à faire vivre des objets qui, sinon, ne seraient pas conservés correctement et disparaîtraient complètement. Donc, continuer à vivre dans des collections dans privées. Dans le cas du dinosaure, en tout cas. Parce qu'après, ça dépend des objets. La conservation de certains objets est carrément plus simple que d'autres. Mais après, c'est vrai que... Encore une fois, ça va dépendre de la sensibilité du collectionneur. Je vais rebondir sur les collections Pinot. C'est vrai que lui, sa volonté, c'est de les mettre à disposition en faisant tous les ans des... Puis il vient d'ouvrir à Paris, à la Bourse, il vient d'ouvrir un musée avec sa collection, justement, pour que tout le monde, cet esprit-là, que tout le monde puisse accéder à sa collection. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Après, d'un autre côté, nous personnellement, on va pas ouvrir notre maison au premier inconnu pour qu'il visite. Donc non, mais c'est pas faux. Non, mais du coup, c'est assez. Il y a toujours cet entre-deux très difficile. Et vous en pensez quoi? Est-ce que Monsieur Pinault a l'intention de vendre les anciens joueurs du Stade Rennais et les faire tomber dans le domaine public pour C'est pas du patrimoine le foot. Pardon. Pour l'instant. Pour l'instant, avec les NFT, les machins, il y a plein de trucs, les cartes sont rares et tout. Les NFT, voilà un beau sujet d'émission. On fera une émission sur les NFT. C'est un bon sujet d'émission, parce que je pense que c'est le futur de l'art.
Ça démarre fort en tout cas, mais il faudra faire un sujet là-dessus. Rapidement, parce que je vois que le temps file à toute vitesse encore une fois, on va faire la petite chronique à la loupe. Donc, on peut remettre le bandeau, cher voilà, Pat. Enfin. Juste pour vous expliquer rapidement, pour ceux que ça intéresse, et ceux que ça intéresse pas, vous l'entendrez de toute façon. Hein, voilà. Non, faire un petit topo, parce que on parle beaucoup des ventes aux enchères, souvent dans les médias, des grosses ventes aux enchères. Sachez, est-ce qu'on peut couper la petite vidéo, s'il vous plaît ? C'est bon. Je n'avais pas vu. Beau travail. C'est pas forcément mieux que le grand public connaît bien. Comment fait-on pour acheter, vendre aux enchères ? Donc acheter, c'est très très simple. Vous allez dans une salle des ventes et vous levez la main. Non mais je schématise à peine. Jusqu'à gagner la nuit. Enfin, ah bah, ou jusqu'à atteindre son budget max. Parce que oui. Par expérience... Non mais si tu veux acheter... Oui, mais bon, faut se fixer des limites, c'est comme le casino, ça. Ça va très vite. Il faut avoir le budget aussi. Et il faut avoir le budget. Bah, après, c'est une bonne limite aussi. Par contre, il y en a pour tous les budgets dans les ventes aux enchères. C'est quand même le gros intérêt. On peut acheter aujourd'hui une commode Louis XV pour 150 ou 200 euros. Hein. Donc, c'est pas... C'est l'expert qui parle. Bah oui, mais c'est mieux qu'une commode Ikea que tu as chez tous tes voisins, tu vois, par exemple. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet. Ne me lancez pas là-dessus. Donc acheter c'est très simple. Le principe c'est que vous allez dans la salle des ventes qui est près de chez vous, il y en a dans toutes les grandes et moyennes villes de France, renseignez-vous. Vous allez, vous levez la main, il n'y a pas de problème, on prend votre chèque et vous repartez avec votre objet. Vous pouvez aussi, si jamais vous ne pouvez pas assister à la vente, parce que les ventes ont lieu quand même à des horaires précis, parfois c'est en semaine, on ne peut pas toujours se déplacer, faire ce qu'on appelle un ordre d'achat. C'est-à-dire que vous allez laisser un petit formulaire au commissaire-priseur en lui disant « Cher maître, vous enchérissez en mon nom jusqu'à tel prix. » Ou être également au téléphone, c'est possible. On voit ça souvent dans les petits reportages. On voit les gens qui « Oui, j'ai Hong Kong, j'ai New York, j'ai... » Voilà. Vous pouvez faire ça. Mais pour un objet, même à 200 euros ou à 100 euros, c'est tout à fait faisable. Hein. Ce n'est pas réservé aux millionnaires qui achètent des dinosaures. Est-ce que je peux le faire par téléphone depuis la salle pour vraiment... Il y en a qui le font. Il y en a qui le font pour brouiller les pistes. Ils mettent la main devant la bouche pour pas... Aussi. Il y a des gros acheteurs qui envoient des émissaires aussi dans leur secrétaire. Habile. Et effectivement, là, je vois ce qu'on nous note ça dans le chat. Effectivement, on paye encore par chèque dans les ventes aux enchères. Ouais. C'est un milieu un petit peu conservateur, vous vous en rendrez compte. Et même si de plus en plus la carte bancaire aussi, mais c'est en général, on demande au moins un chèque en caution. En fait. Oui, bien quand sûr. Vous enchérissez, vous ne payez pas tout de suite si vous avez plusieurs achats à faire. Donc, on demande un chèque qui sert de caution. Un chèque signé, du coup, bien sûr. Ça va de soi. Et également, maintenant, ce qui se développe beaucoup, c'est les ventes en live. Vous avez des sites type Interenchères, des plateformes Drouot Digital aussi. Drouot, je vais prendre le temps de le dire parce que ça m'agace à chaque fois que je vois ça dans Ouest France. Drouot, tenez-vous-le pour dit, n'est pas une maison de vente aux enchères. C'est un hôtel des ventes qui accueille des ventes aux enchères, mais il n'y a pas de commissaire-priseur qui travaille pour lui. Enfin, pour Drouot. À Rennes, maître Carole Jézéquel, elle est propriétaire de son hôtel des ventes et elle fait ses ventes. C'est une maison de vente. Elle a sa maison de vente dans son hôtel des ventes. Ne confondez pas hôtel des ventes. Voilà. C'est dit parce que ça m'agace. Tous les samedis dans Ouest France, ça m'agace profondément. Bref. Est-ce qu'on peut réserver une chambre, du coup, dans un hôtel des ventes ? Du coup, non. Mais par contre, pour y avoir travaillé longtemps, on a régulièrement des appels de gens qui veulent réserver des chambres. Ah, ils sont forts. Ça arrive régulièrement. Et ils les réservent avec un chéquier ? Bah du coup, on demande un chèque de caution signé. Effectivement. Très bonne question. Donc ça, c'est pour acheter. Alors, sachant que quand vous voulez acheter aux enchères, vous pouvez aller voir les objets avant. Il y a toujours une expo. Ça fait partie des obligations légales. Il y a toujours une exposition avant. Où vous pouvez voir les objets. C'est le côté sympa parce qu'au musée, on n'a pas le droit de toucher. Dans les salles des ventes, on a le droit de prendre les objets, de les retourner dans tous les sens, de regarder comment ils sont faits. Voilà. Ça, c'est le côté sympa, ne serait-ce que pour votre culture personnelle. C'est plutôt intéressant. Voir les objets de près. Tu pourras dire, j'ai touché le bicorne de Napoléon. Voilà, parfait. Bah, tu peux, voilà. Tu peux. Et vous avez Instagram aussi... et puis il fit ça. Hein. Alors ça c'est fait pour des belles ventes. Vous avez aussi des catalogues de ventes qui sont édités. Alors de moins en moins en papier, maintenant c'est beaucoup plus en digital, mais les lots sont photographiés, ils sont tous décrits avec leurs dimensions, les matériaux qui les composent, les estimations, les choses comme ça. Donc ça fait des beaux objets de
et des beaux livres à garder aussi. Mais vous avez toutes ces infos-là. Donc ça, c'est là-dedans qu'on se dit, tiens, j'ai un trésor dans ma maison, c'est ça. Par exemple. Par exemple, ce qui me permet de faire la transition avec comment vendre un objet quand on a un trésor dans le pneu. Qu'il est fort en transition. On a bien fait de l'embaucher. C'est ça. Quand vous avez un objet chez vous que vous souhaitez vendre, la première étape, c'est de le faire estimer. Donc vous avez soit des... En général, les hôtels des ventes organisent des... Enfin, les maisons de vente organisent des journées d'expertise. L'expertise est gratuite la plupart du temps. Alors, sauf si vous avez un tableau de Picasso qu'il faut envoyer au comité Picasso. Pour avoir un certificat, là, il y a des frais, mais en général, les estimations, les expertises sont gratuites. Donc, sur les sites des maisons de vente près de chez vous, c'est précisé. Il y a régulièrement des journées qui sont dédiées aux estimations, aux expertises. Vous pouvez y aller, prendre rendez-vous. Et il y a également, c'est possible sur photo. Okay. Je sais que par expérience, on le fait aussi beaucoup pour le mobilier. On ne va pas demander aux gens d'amener leur commode ou d'amener leur canapé. C'est un peu casse-pied. Donc sur photo, c'est possible aussi, vous pouvez envoyer un mail à votre commissaire-priseur local. Sur photo, ça doit être quand même difficile d'estimer réellement. J'imagine qu'il faut prendre sous tous les angles l'objet. Oui, alors ça dépend ce que c'est. C'est vrai que si c'est un tableau, par exemple, on va demander un gros plan de la signature et une photo du dos, parce qu'en général, les restaurations, par exemple, vont être visibles au dos d'une toile. D'accord. C'est là qu'on va voir si ça a été réparé, s'il y a eu des repeints, des choses comme ça. Pour du mobilier, ça permet au moins d'avoir une idée. Ça permet de dire aux gens, oui, c'est intéressant, amenez-le nous. Ou oui, c'est intéressant, on va se déplacer chez vous, on va venir voir plus en détail. Ou ça permet aussi de leur dire, malheureusement, votre salle à manger en merisier des années 50, ça ne vaut rien du tout. Mais du coup, ça me fait penser, sur quelle grille est pensée le... Non, je recommence. comment est pensée la grille d'évaluation de la qualité de l'objet? Est-ce que c'est vraiment à la diligence du commissaire-priseur On est sur un marché, en fait. Ouais, d'accord. On est sur un marché d'offres et de demandes, donc ça varie, en fait, d'une époque à l'autre. Okay, ouais. Moi, j'adore le mobilier 18e. Le mobilier 18e, aujourd'hui, ça vaut plus rien. Tu peux acheter une paire de fauteuils d'époque Louis XV pour 200 euros. Alors qu'il y a 15 ans, tu rajoutais 1 voire 2 zéros, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a vraiment, là, en ce moment, c'est le design des années 50-70 qui cartonne. Oui, oui. Donc, des choses qui, il y a 5 ans, valaient 30 euros, peuvent aujourd'hui... ça s'adapte en permanence. Ça dépend des modes, bien sûr. Mais... ça répond qu'en partie à ma question, parce que, OK, il y a des phénomènes de mode, mais par exemple, j'en sais rien, tu vas vendre deux bouquins du 18e. Un qui est vraiment parfait, la reliure... L'état entre en compte, évidemment. OK, mais aussi. Du coup, comment le commissaire-priseur détermine si l'état, il est plutôt bien, très très bien, très très bien plus, etc., etc. Ça, c'est l'expérience, en fait. Okay. Ça s'apprend à force de voir des objets, de... plus t'en vois, plus tu peux avoir un prix affiné. Sachant qu'en vente aux enchères, on va toujours lui donner une fourchette d'estimation. Ouais, on va pas dire ça vaut 350 euros. On va dire ça vaut entre 250 et 400. Et okay. Par exemple. Ça démarre, les enchères démarrent à l'estimation ou Souvent un petit peu en dessous pour attirer le chaland. D'accord. Le chaland okay. Ça serait intéressant à voir. Allez voir, ceux qui n'ont jamais vu, allez voir une vente aux enchères, c'est un spectacle. Hein, c'est vraiment. Il faut tenir la salle, il faut faire monter l'ambiance, il faut faire. Pour avoir assisté à une vente aux enchères à l'Open de Rennes, on a pu voir, c'était Madame Jéséquel. C'était Carole Jéséquel, ouais. C'est ça. On a pu voir qu'elle a essayé d'animer la chose le mieux possible pour. C'était pas de sa meilleure soirée, c'était pas facile. Non, après, je pense que l'audience n'était pas très réceptive. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'était assez impressionnant. C'était la première fois que j'assistais à ça et c'était assez impressionnant de voir comment ça se déroule. Ah oui, c'est vraiment un petit spectacle. En tout cas, une fois que votre objet est estimé, vous avez l'estimation. Si vous choisissez de vendre, votre objet sera photographié, décrit, mesuré, mis sur Internet, mis dans les catalogues. Et vous serez payé une fois que l'objet sera vendu. Et du coup, quel pourcentage retient le... Est-ce que ça dépend des maisons des ventes ou c'est, on va dire, il y a un barème normatif, 10%. Aujourd'hui, sur tout ce qu'on appelle vente volontaire, puisque maintenant, avant, les commissaires-priseurs étaient tous des officiers ministériels, comme un notaire, par exemple. Donc là, les frais étaient plafonnés par la loi. Mmh.
Ce qui est toujours le cas pour les ventes judiciaires, quand on vend par exemple quand on fait la liquidation dans ton entreprise, ouais. Par exemple, les ventes judiciaires, c'est toujours plafonné. Aujourd'hui, les maisons de vente sont des SARL, hein, donc c'est des sociétés commerciales comme les autres, donc ils sont libres de fixer leurs frais. Aujourd'hui, sur des frais vendeurs, on est autour de... Alors, les frais à la charge du vendeur, c'est-à-dire que si vous vendez un objet 100 euros, vous allez toucher un petit peu moins, puisque le commissaire-priseur va prélever sa commission, on est entre 18 et 20% à peu près. Ah oui, quand même. Quoi ? Ça, c'est pour le vendeur, et l'acheteur paye également des frais. Ah oui, d'accord. Qui sont aujourd'hui à Paris, à Paris c'est très très haut, on est autour de 30%. Donc c'est pareil, si tu achètes un si le marteau tombe à 100 euros, en fait tu vas payer 130. Ah d'accord, ouais. D'accord, ok. Et le vendeur touchera 80. Ouais, c'est un peu... Je prends 90%. Sachant que les frais... En fait, les frais qui sont... C'est ça. Alors, c'est pas si simple que ça. C'est pas autant dans sa poche. En gros, les frais, les 20% qui sont prélevés pour le vendeur, ça paye les photographes, ça paye l'impression des catalogues, les frais liés à la vente. Les frais qui sont prélevés sur l'acheteur sont là, pour le coup, la commission plutôt, quoi. Donc on a l'impression que ça fait beaucoup, mais encore une fois, il y a énormément de frais autour d'une vente aux enchères, le transport, les experts. Quand on fait une vente de bande dessinée, là je vous montrais le catalogue, ou une vente de vin, c'est des experts aussi indépendants qui interviennent, qu'il faut bien payer aussi pour leur travail. Donc c'est vrai que ça paraît énorme vu de l'extérieur, mais c'est pas... au final, il ne reste pas... Donc ça va. Bon, c'est un métier qui gagne bien, on va pas se mentir, mais... Oui, voilà. Ça donne envie. Donc voilà, c'était le petit focus à la loupe d'aujourd'hui. Très intéressant. Acheter et vendre aux enchères. Et je vous propose une petite pause, un petit jeu pour se détendre avant de conclure l'émission. Et l'agenda. Petite pause. D'accord. Ça veut dire qu'il y a... On n'a pas dit qu'on avait fini. Hein. Pardon. Eh ben vas-y, c'est donc le Painter Blender. C'est un jeu, petit hommage au Roison Talk Show. Ouais. On fait la même chose avec les joueurs du Stade Rennais le mercredi soir, pour ceux qui aiment le Stade Rennais. Donc, je vous ai mélangé trois portraits. Est-ce que vous allez les reconnaître ou pas ? Il y en a un qui est évident. Il y en a un qui est facile. Ouais. Vous pouvez jouer dans le chat aussi, hein, n'hésitez pas. Bah, jouer dans le chat, ça nous donnera les réponses comme ça. Ouais. Bon, il y en a un qui est facile. Oui, évidemment. Bien sûr. Vous l'avez tous reconnu. C'est la Joconde. Les yeux. Je crois que c'était le cadre, moi. Non, ah, d'accord, okay. T'es parti sur un autre thème, là, Thomas. C'est le cadre des présentations de l'équipe. Ben oui, j'avais reconnu. Veritas. Effectivement, tu l'as bien reconnu. Eh oui, évidemment. Donc, c'est la Joconde. Pour le bas, la bouche et le costume et cette plantureuse poitrine. Alors, l'artiste, c'est compliqué. Je vous demande pas l'artiste, mais moi, je vous avoue, je le connaissais pas. Le personnage, par contre, peut être identifié. Est-ce que tu peux nous donner un indice ? Un indice... alors, on est sur un portrait royal. Ça, c'était un... Ok. Donc, une femme rousse. Le roi Pelé ? Non. Non, c'est In Arte Veritas ce soir. C'est pas le Roison Talk Show. Ok, pardon, j'étais resté keblo. Je sais pas. Une femme rousse... C'est une Médicis ? Grand souverain, non. Ah. Non, c'est pas de ce côté-là de l'Europe. C'est mince. Plus au nord, plus à l'ouest. Plus au nord, plus à l'ouest. À nous, toi, un peu. Une souveraine rousse. Avec une petite fraise, comme Jeanne ça. Jeanne Sabot. Avec la peau bien blanche. Eh bien, là... On est en Angleterre. Eh oui, ben, je m'en serais douté. Hein. Nord-ouest, il n'y en a pas 36 000. Hein. Il n'y a pas eu 50 000 reines rousses. Victoria. Non, loupé. C'est l'autre. C'est l'autre. Ah, mais moi, je me suis arrêté avant la frontière de l'Atlantique. On a la réponse dans le chat. Bravo, c'est Elisabeth Ier. Je le savais. Hein. C'est histoire d'eux. Hein. C'était pour les laisser gagner. Voilà. Ah. Un peu de suspense. Et au-dessus, c'est plus dur. Les cheveux, les sourcils. Après, le décor peut vous aider. C'est quand même un artiste... Je l'ai, mais je vois très bien le tableau. Hein. Je le vois là dans ma tête. Et t'as pas le nom de l'artiste ? Évidemment. C'est sa femme, d'ailleurs, qui est représentée, qui s'appelle Adèle. Mais... On est sur un peintre de la sécession viennoise. Donc un mouvement artistique qui est assez connu. Il a fait un tableau aussi très connu qui s'appelle Le Baiser, qui est avec ses décors comme ça, très... Tu vois pas qui c'est ? Si, Le Baiser, je vois ce que c'est comme tableau. Et vous avez pas le nom ? Attends.
Ah non, on triche pas, Thomas. Non, on supprime les portables. Prochaine émission. C'est l'appel à un ami. Est-ce qu'on serait sur un Gus Gus? Par exemple, ouais. La régie a trouvé. Mais oui, je pensais à Klimt, moi, mais forcément. Eh ben c'est ça. Voilà, mais oui. C'est le portrait d'Adèle Klimt par, par son mari. C'est un Klimt d'œil. Bien, ouais. Elle est pas mal. Bon, vous en êtes bien sortis, quand même. Ah ouais, mais... Il va falloir qu'on travaille notre culture. C'est pas assez médiéval pour moi, c'est pour ça. Non, c'est vrai. Bon, la prochaine fois, je te mettrai Anne de Bretagne, Blanche de Castille. Jean V de Bretagne, s'il vous plaît. On mettra qu'un portrait de lui. Ouais, voilà. Qui est ce personnage? Je vous en parlerai 10 ans comme ça. Bon, c'était la proposition de Anaïs. Un portrait pas facile, mais quand même. Mais on a un expert avec nous. Pour non, pas un expert, un fan. Et pour terminer l'émission, on va passer à la sélection de la rédac. On va vous proposer des petites lectures, des petites visites d'expo. Exactement. On a une petite transition ou pas, la régie? On a peut-être ça. Badoumts. Elle est superbe. Badam pamch. Faut la mettre de la musique. On va y penser. On va y travailler. Wagner, la chose chez les Valkyries. Et donc, on a un petit bandeau qui doit s'appeler Pour creuser, normalement, cher Pat. Pour creuser, bien sûr qu'on l'a, ce bandeau. Magnifique. Ça. Donc, Pour creuser, l'idée, c'est en fait de vous proposer ou des lectures, ou des visites, ou des visionnages de films ou de reportages pour creuser un peu les sujets de l'émission. Ouais. Anaïs, je te laisse commencer. Alors, moi, ce serait le site de l'INRAP. C'est pas ça. Parce que il y a pas de visuel, il y a pas mal de choses dessus quand même, les actualités archéologiques et tout ça, c'est quand même assez développé. Il y a apparemment une carte interactive avec les différents sites. Voilà, vous pouvez retrouver en fait les découvertes qui ont été faites. Voilà, et ça explique un peu leur manière de travailler, ce que c'est l'archéologie aussi, et c'est pas mal du tout. Il y a des petites vidéos pour Pour chaque site, en fait. Oui, l'INRAP communique beaucoup en fait sur les découvertes. C'est ça. Donc ça vous permet de retrouver effectivement un petit reportage sur les sites découverts. Voilà, ça, il est dessus. Ils peuvent aussi faire des petits focus sur le mobilier qui a été retrouvé, certaines périodes historiques aussi. C'est très complet. Toujours très court et à la portée de tous, quoi. Oui, et ça a l'avantage d'être très grand public. Je pense qu'il faut vraiment le souligner, ça, parce que c'est pas toujours... C'est assez... C'est bien fait, ouais, il y a beaucoup de choses. Carrément, carrément. Donc www.inrap.fr. Et vous pouvez aller revoir le site de Concarneau dont on vous a parlé tout à l'heure. Et... Avec plein d'autres petits détails. Et, puis, et étudier la période campaniforme également, c'est magnifique. Deuxième petite piste cette semaine. Donc là, on a un petit visuel, un PC01. Je voulais juste vous parler de la Gazette de Rouault. Alors, je reste dans mes classiques. C'est celui que vous avez affiché ou c'est un... Non, c'est un autre. C'est un truc comme ça ? Non plus. C'est pour la... Non ! C'est celui-là ! Voilà ! Tu vois que t'en avais un autre ! Pardon. Voilà, en plus, je vous ai vu ce qu'ils font. La Gazette Rouen, en ce moment, fait une campagne de pub qui me fait rire. Je trouve ça plutôt bien pensé. Si à 50 ans, t'as pas une horloge 18e, t'as raté ta vie. Moi, je suis bon public, ça m'amuse. Nico. Ah, Jacques. Celui-là est bien aussi. Faites que vos enfants se battent pour votre héritage. Ça, très chouette. Très bien trouvé. Ils ont un bon service de com' à la Gazette Rouen. La Gazette Rouen, c'est un hebdomadaire. Ça sort tous les vendredis. Ça coûte 3,50€. Vous pouvez aussi vous abonner. C'est 11€ par mois, je crois. Et vous avez toute l'actualité. Alors celle-là n'est pas très épaisse parce que c'était une période où il n'y avait pas beaucoup de ventes. Et vous avez toutes les ventes aux enchères quasiment de France et de Navarre. Quelques ventes aussi internationales. Des petits reportages sur la législation des ventes aux enchères. Des petits focus sur les objets qui vont être mis en vente. Donc si ça vous intéresse, la vente aux enchères, n'hésitez pas. Il y a une version numérique qui existe aussi. Donc la Gazette Gros.com et sinon dans les kiosques tous les vendredis. Voilà pour ces petites pistes de lecture. On a deux petits sujets aussi d'agenda qui vont arriver dans la foulée. Hop là. Et voilà. Qui et commence. Ça c'est Thomas qui vous propose. Allez, moi je vais vous proposer une petite exposition photographique qu'il y a en ce moment au musée de Bretagne, donc à Rennes. Elle a débuté le 22 octobre dernier et ça dure jusqu'au 27 mars 2022. Donc
Bon, c'est vraiment une expo coup de cœur pour moi. Déjà, bon, elle est 100% gratuite, donc c'est toujours intéressant, même pour les personnes qui ne sont pas forcément très mordues de musées, d'expos, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, c'est une exposition de 67 photographies en noir et blanc et couleur de Madeleine de Cinetti, donc une photographe parisienne, née en 1934 et décédée en 2011. Et là, en l'occurrence, elle s'est intéressée plus particulièrement au village de Poilet, dans le nord de l'Ille-et-Vilaine. Okay. C'est au sud du Coglet, quoi, grosso modo. Où en fait elle est tombée par hasard sur cette. Enfin, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette expo, c'est qu'on part de la découverte un peu par hasard de ce truc, de ce village, pardon, jusqu'à son travail, qu'on la suit, quoi. C'est pas pour. C'est communication avec la régie. Ah oui, d'accord. Je suis désolée, ça n'a rien. Je ne me moquais pas du tout de ton sujet. On va finir par se poêler de rire. Ah oh ah, c'est pas très difficile à trouver celle-là. Non, bref, bon. Et du coup, en fait, elle découvre ce village en 72 et elle va s'y installer. Ils vivent jusqu'en 1981 et puis après 81, ils revenir assez régulièrement. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette expo, c'est qu'on voit le lien très. Comment dire, fraternelle, voire maternelle, en fait, pour certains enfants qu'elle a créé avec les habitants de ce petit village. Et en fait, on est dans une période où la France rurale est en plein bouleversement. On a la mécanisation de plus en plus progressive, l'ouverture du bocage, etc. Donc, etc. Du coup, les photos retracent. Et là, en fait, elle s'est vraiment. Elle présente une vision d'une France rurale disparue. D'accord. Où, en fait, elle a complètement occulté cette modernité dans ses travaux. Il doit y avoir, s'il y a 10 photos de tracteurs, c'est le grand maximum. Sinon, tout le reste, c'est les travaux des champs avec les chevaux, etc. etc. Tout le travail manuel. Et c'est vraiment. C'est un beau témoignage de la vie rurale. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on a des archives de la photographe, donc on a ses carnets de notes. C'est hyper complet, On a certains de ses appareils photos, ses pellicules, et on a aussi toute une partie témoignage oral où les gens, en fait, qui ont connu Madeleine de Cinetti, elle va parler, ils parlent, même les enfants de ces gens-là, ils en parlent, parce qu'elle a vraiment, marqué en fait la vie de ce village, et c'est vraiment intéressant. Du coup, je vous recommande, si vous savez pas quoi faire le week-end, quand il pleut ou même quand il fait beau, allez là-bas et le catalogue musée de Bretagne, on rappelle. Musée de Bretagne et le catalogue d'exposition est vraiment très très beau parce que il y a le tirage des 67 photos dans le bouquin, et ça fait un beau souvenir pour... Cadeau de Noël peut-être aussi. Moi j'invite les gens à se procurer ce bouquin dans une librairie indépendante, s'il vous plaît. Aussi. C'est important. On soutient les libraires indépendants. C'est voilà. Vrai. Et en parlant de cadeau de Noël... Et en parlant de cadeau de Noël et de bouquin, en voilà un beau. Alors moi, ce soir, je vais présenter... Enfin, très rapidement... Attends, on voit pas. Attends, tu veux que je le prenne. C'est un peu lourd. Une nouvelle histoire du Moyen-Âge sous la direction de Florian Mazel, qui est maître de conférence à l'Université de Rennes 2. C'est un historien. Il y a des images ou pas? Oui, il y a des images. C'est en couleur. Il est très beau, quand même. Il est très gros. Il est très accessible au niveau prix aussi, pour un livre qui fait plus de 1000 pages. Pas précise le prix, c'est important. Ça coûte 39 euros. Voilà. Disponible chez les libraires indépendants, je suppose. Évidemment, ils ont bon goût, ces gens-là. En gros, c'est une synthèse sur le Moyen-Âge, mais un peu réactualisée par rapport aux dernières recherches et tout ça. Il y a tout un palmarès de chercheurs, d'historiens, d'archéologues, de géographes, il y a même des il n'est pas passé musicologue. Il n'est pas passé chez Yann Barthès d'ailleurs. Si, il est passé à Quotidien, Florent Mazel. Il a l'air vraiment très intéressant. J'ai commencé à le feuilleter, je n'ai pas fini évidemment. Ah bon? Et franchement, pas... il a l'air assez prometteur. Une bonne lecture quoi. C'est ça. Pour s'initier au Moyen-Âge et pas que pour s'initier. Pour creuser aussi, un peu visiblement aussi. Parce que... C'est des sujets quand même assez... généraliste, par exemple. Ouais, c'est abordable quand même dans l'écriture et tout quoi. Je trouve. Après, peut-être un dictionnaire un petit peu parfois pour des petits mots utilisés par des historiens. T'as un glossaire à la fin avec tous les termes définis et ça c'est vraiment intéressant. C'est cool. Et il porte bien son nom, Nouvelle Histoire. Parce que c'est
Et là, c'est mon âme de médiéviste qui parle. Non, non, il est 21h. Non, non, il faut qu'on conclue. Je dis un dernier truc. Il y en a, entre guillemets, il y en a marre de tous ces manuels d'histoire qui sont de la redite, des travaux de Jacques Le Goff, Georges Duby. Alors, j'ai rien contre c'est eux. C'est de leur temps, quoi. Mais voilà, depuis, il y a eu tellement de nouveautés en termes de méthode, en termes d'apport de connaissances, que voilà, en fin de compte, l'ouvrage de Florian Mazel, c'est important d'avoir c'est, des ouvrages comme ça. Bah là, voilà, c'est la nouvelle référence. Là, voilà, c'est la nouvelle Bible de tous les médiévistes et de tous les fans du Moyen-Âge. Donc, achetez-le et faites-vous plaisir. Voilà. J'en profite juste pour, dans le chat, Bernadette nous a donné une petite info expo aussi, une expo à Bru à l'espace Gauguin, expo d'art plastique, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et cher Thomas, le livre Fer Rouge, c'est bien sûr déjà du patrimoine, le Stade Rennais, c'est déjà du patrimoine évidemment. Pour terminer ce petit agenda, là il y a un visuel du coup, s'il vous plaît Pat. J'arrive tout de suite. Moi, je voulais juste vous parler rapidement d'une belle expo qui se tient au Louvre jusqu'au 13 décembre et qui met en avant en fait des objets archéologiques issus de zones de guerre, puisque on a pu voir avec les guerres en Syrie par exemple, où il y a eu énormément, c'est tout à fait celui-là. En Libye ou en Syrie, où des sites archéologiques sont pillés par les pillards, profitent en fait des zones de guerre. Et donc là, c'est la première fois qu'il y a une expo comme ça en France. C'est jusqu'au 13 décembre au Louvre à Paris, donc si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour. Ça va, je vais les rendre. C'est très intéressant. Je n'avais pas cité de nom. Tu avais remarqué. Ça se vend bien. Non, je dis ça. Non, je vais me faire taper sur les doigts. Pour les estimations, vous nous envoyez un message privé et on verra ça. Non, c'était une petite blague, hein, bien sûr. Mince. Non, mais en tout cas, je trouve que c'est important de mettre en lumière aussi ces sujets-là qui sont un peu méconnus du grand public. Mais voilà. Donc à Paris, au Louvre, jusqu'au 13 décembre. C'est noté. Et voilà, on a terminé cette émission. On a été hyper long. Ça va ? Enfin, Thomas. Sincèrement, c'était super intéressant et dans le chat, ça a bien réagi pour une c'est première. Vrai. C'est magnifique. On remercie tous les viewers. Ouais, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve normalement dans 15 jours si tout se passe bien. Pour le ça se passera Inarte bien. Veritas numéro 2, avec l'équipe en forme. Merci à vous de nous avoir regardés. On remercie l'équipe en régie aussi, Diwan et Joe, qui sont là, qui bossent super bien. Et merci à eux. Qui merci permettent beaucoup. Que tout s'enchaîne bien dans l'émission. On remercie aussi TV Wonder, qui nous met à disposition le studio, et Médicis, qui nous accueille dans ses locaux. Merci à eux, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'émission non plus. Donc merci à tout le monde, passez une bonne soirée. Ouais, on peut s'applaudir pour la merci, première. Merci. Pour la première. Ah, le chapeau. Merci à tous, allez boire un coup et on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Et puis merci à tous ceux qui regarderont en replay cette petite vidéo. Aussi. C'est important. On pense à vous aussi. Quoi. On pense à vous et j'espère qu'on se verra. Sur le prochain live, hein, parce qu'on compte sur vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos pages. On est sur Instagram, on est sur Facebook. On sera sur Twitch bientôt. On sera sur tous les réseaux, mais là déjà sur Facebook, Instagram, c'est là où c'est le nerf de la guerre. Abonnez-vous et invitez tous vos amis, votre famille, les gens qui sont passionnés par l'art et la culture à s'abonner, parce que c'est important. Si on veut que la culture soit mise en avant, c'est grâce à des gens comme vous. Voilà. Et merci. Merci à tous. Merci. Bonne soirée et à la prochaine. Salut. Ciao.